Bonjour à tous, je suis Razika, vous êtes bien sur ma chaîne Mes Secrets de Nana. Nous sommes lundi 15 juillet 2024, c'est parti pour un tour à Action d'Alès. Allez, on va faire une vidéo spéciale déco. On va essayer de voir les miroirs, les décos à poser, peut-être quelques petits meubles et peut-être les tapis. C'est parti avec les miroirs ronds à bord en bois. Ils sont à 9,95€, 49 cm de diamètre. Alors, ils existent qu'en une seule couleur, c'est ce bois-là. Après, on a ceux-là aussi, si vous aimez les contours dorés, les miroirs ronds comme ça. Ils sont à 9,95€, 50 cm de diamètre. Non, celui-là, il n'y a pas de petite chaînette pour accrocher. On l'accroche directement tel quel. Alors, il y a le contour doré ou sinon, il y a le contour noir. Moi, j'en ai utilisé un pour mettre au-dessus d'un petit lavabo que j'ai dans la salle d'eau. 9,95€. On a les horloges. On a celle-ci en doré. Alors, elle existe aussi en blanche, mais j'ai vu que là, il n'y avait que noir, fond noir. 13,95€. Au niveau des horloges, on a aussi celle-ci. Alors, je rappelle à chaque fois, mais le système mécanique, il ne fonctionne pas, il ne tourne pas dans cela. Celle-ci est à 18,95€. On a aussi ce vélo XXL avec la petite horloge sur la roue avant, 8,95€. Si vous le trouvez trop grand, on a celui-là, 5,95€. On a les horloges comme ça, bois, mais un peu plus petites. Elles font 40 cm de diamètre, 8,79€. Elles existent aussi de cette couleur. Le porte-manteau avec les 4 crochets, 9,95€. Donc au-dessus, on peut ranger les petites boîtes. On peut y mettre, par exemple, tout ce qui est, pourquoi pas, écharpe, bonnet, ou bien on peut mettre aussi dessus des petites décos. Je vois bien dessus aussi, vous savez, les petites plantes vertes qui retombent là. Il fait 57 cm sur 22 de profondeur, sur 11 cm de hauteur. Alors là, le plateau, là, il est en bois. Après, on a justement ces petits coffres en bambou qui peuvent servir comme ça, on dirait, un tiroir. 4,99€, ils existent en clair ou en foncé. Ils font 31 par 31 par 15 cm de hauteur. Les petits paniers, vous pouvez peut-être aussi poser des petits paniers hein, sur un petit porte-manteau. 8,49€ les trois. On a ce coloris-là ou ce coloris-là. On a ces miroirs-là, miroirs de porte, 6,95€. Alors, il y a plusieurs couleurs. Il y a noir, il y a du bois clair. Alors, normalement, ils existent aussi en bois foncé. Ils existent en blanc. Alors, je ne sais pas s'il y en a ici, mais ils existent aussi en argenté et en gris. Et en couleur sablée aussi. Alors, c'est des miroirs à la base, c'est des miroirs de porte, puisqu'à l'intérieur, vous allez avoir deux crochets pour pouvoir les accrocher derrière votre porte. Ils font 94 cm de hauteur. 34 et 1,5 de profondeur. Moi, j'ai utilisé ces miroirs-là pour faire une verrière dans mon salon. Donc, j'en ai mis 5 côte à côte. Je les ai fixés avec c'est un adhésif scratch. J'ai acheté ça dans les magasins de bricolage. Après, il y a d'autres astuces pour les accrocher. Hein. Il y en a qui mettent un tasseau, qui prennent un long tasseau en bois. Enfin, plutôt deux, un là et un là, qui vont venir coller les miroirs. Et puis après, pouvoir les accrocher au mur. Le pouf, il fait 37,5 de hauteur sur 31,5 de diamètre, 8,79€. Une jolie lampe aussi, déco, ça peut être très sympa. 8,95€, tout de suite ça va donner un petit plus. Vous pouvez mettre ça sur un buffet, sur un petit meuble à l'entrée, sur votre bureau, puisqu'à la base c'est des lampes de table, hein, 8,95€. Alors il y a le blanc qui est sympa, la blanche plutôt. Il y a cette couleur-là, moi j'aime beaucoup celle-ci, hein. Et on a aussi le noir. Petite déco aussi, les pommes, alors on les voit un petit peu partout dans les publications. Elles sont à 1,89€. La pomme, il y a 5 couleurs, je ne sais pas si je vais retrouver les 5. Il y a la marron, il y a du vert. Alors moi, celle que j'aime bien, c'est la transparente, je ne sais pas si on va la retrouver. Alors évidemment, on cherche. Non, je pense que la rose et la blanche, il n'y en a plus. Alors nous on a vu celle-ci et celle-ci, mais c'est vrai que la blanche là elle est très jolie, blanc, rose, et on a celle-ci. Les cordes de jute, hein.
1,59€. Donc très joli, on les voit beaucoup aussi dans les autour des vases ou des choses comme ça. Ça peut être vraiment très sympa. 40 LED, elle fait 2 mètres. Joli tableau pour fixer au mur. 3,99€. Alors je crois qu'il y a 3 modèles. Il y a celui-là. Il y a celui-là, on dirait une fougère. Et puis celui-là. Si vous aimez les feuillages. 3,49€. On a celui-là. On reste dans le feuillage. Avec ces cadres photos là. Tiens, je ne les avais pas vus ceux-là. 1,29€. Ils sont trop sympas avec le tigre là. Je vais regarder s'il y en a d'autres. Donc il y a le tigre. La girafe, donc avec le contour comme ça. Et on a l'éléphant avec le contour marron. Évidemment, il faut que je vous présente des cadres. Hein. Vous pouvez très bien enlever l'image qu'il y a là et mettre votre propre photo. Hein. On a eu des cadres là pour les enfants. 4,49€. Il y a le lion, normalement il y a un éléphant. Alors ce qui reste. La girafe. Et puis on a ceux-là. Alors par contre, ceux-là, il n'y a rien. Donc c'est à vous de mettre votre propre photo. C'est 4,49€. On a ça, je sais que ça a pas mal de succès, 4,49€. Donc pour mettre là, vous allez mettre le dessin que votre enfant va vous offrir ou va faire. Et à l'intérieur, vous pouvez ranger tous les autres dessins. Alors le petit plus, c'est que du coup, vous pourrez changer au fur et à mesure après le dessin. 4,99€. Après là, je vous parle de dessins d'enfants, mais vous pouvez très bien prendre par exemple plusieurs posters, enfin plusieurs images, puis après changer au fur et à mesure. On a ça, la feuille, moi j'aime beaucoup, ah, on a les citronniers, les citrons plutôt, les bougies là de diverses formes, 87 centimes, pareil on peut prendre un petit plateau, en mettre plusieurs, alors ce qui est bien, j'aime bien, c'est de, on les met quand c'est la même couleur, on peut jouer par exemple, la dernière fois je vous avais montré avec du vert, hein. On a du vert, puis après on va jouer avec les tons, alors ça non j'aime pas, pourquoi pas ça, mais après il y a celle-ci. Vous voyez, c'est pas le même, tout à fait le même vert. Je sais pas si vous voyez derrière votre écran, mais c'est pas le même vert. Après, on peut ajouter une bougie comme ça. Vraiment, il y a pas mal de choix au niveau des bougies à celle-ci. Alors, j'ai pris le vert, j'aurais pu prendre une autre couleur. Hein. Et après, avec ça, les mettre sur un plateau pour faire un joli plateau déco. Justement, plateau déco, moi, pour mettre les bougies et tout, j'aime bien celui-là. Je trouve qu'il est, il est plutôt pas mal. Il est assez long, on peut mettre plusieurs bougies dessus. Faut aussi choisir celui-là, hein. Le rectangulaire comme ça. Après, il y a plusieurs tailles. Alors, j'ai vu parfois des gens prendre vraiment des grands plateaux et puis après faire leur petite composition avec une bougie, une petite plante. Alors, on peut prendre une plante artificielle, on peut prendre aussi une vraie plante. Alors, du coup, quand c'est des vraies plantes, on retrouve souvent les, comment on appelle ça, les plantes grasses. Puis après, au fond, on peut mettre soit des petites pierres colorées, soit du sable, on peut mettre des petites pétales de fleurs. Vous voyez, si vous êtes dans la zénitude, ça peut être la tête de Bouddha avec la fausse plante, là, la plante artificielle. Après, en déco aussi, on peut faire un plateau avec un pot pourri. Alors, ça sent, je vois pas, Spring, c'est le printemps. On a celle-ci, 99 centimes le sachet. Après, on a ça aussi. Moi, je trouve ça trop joli. J'en ai un à la maison, mais pas avec la fleur rose. Donc, c'est 2,99€. Mais vous voyez, ça serait plutôt à mettre dans un plateau rond en bois. Alors, est-ce que je vais le retrouver après, ça dépend des goûts de chacun, évidemment. Alors là, évidemment, je ne les vois pas. Je les verrai peut-être après. Après, il y a celui-là, mais je pense qu'il y en a trop. Vous voyez, ce petit plateau en bois de manguier à 3,69€. Après, on peut aussi les mettre, vous voyez, dans un plateau comme ça doré, vous voyez tout à l'intérieur, ça peut être très joli. Par contre, les plateaux en bois, à mon avis, sont au rayon saisonnier. Donc, on a ces petites boîtes murales, hein, pour déposer, pour poser, voyez, ces petites décos, ces petits vases. 7,95€, on a du bois clair ou du bois foncé. On a aussi ces étagères flottantes, 5,69€. On les a en bois clair, en blanc, en bois foncé, je crois qu'elles existent aussi en noir. On a ça, c'est sympa aussi, pour mettre vos petits tableaux, vos petites plantes. Alors, il y en a qui les utilisent aussi pour poser les parfums dans la salle de bain. Ça peut être aussi pour mettre les petits pots à épices. Alors, attention, bien garder la profondeur, parce qu'il en existe des plus profonds. Hein. Ça, c'est 3,79€, ça fait 58 par 6 par 6,8. Ah ben voilà, je
crois que j'ai du mal à les trouver, ces deux-là. Je vous en parle souvent de ces vases-là. Normalement, ils sont vendus par trois. Donc, il y a ces motifs-là, lignés. Il y a le motif craquelé. Puis, normalement, il y en a un qui est couleur unie, vert comme ça. Je trouve trop sympa, ces vases. Ils sont à 2,99 l'unité. Ils existent aussi en deux autres couleurs. Donc, il y a cette couleur-là. Et normalement, le troisième, il est craquelé comme ça. Donc, vous pouvez les prendre par trois. C'est très sympa. Puis après, ça dépend de ce que vous recherchez. Et voyez, hop, je vous montre. Donc, il y a la colle couleur unie, le craquelé et celui-là. Donc 2,99 pièces. Après les tapis, on a ces tapis-là, 39,95. Alors en ce moment, ces derniers temps, on a eu pas mal de choix au niveau des tapis. On a celui-là qui fait 1,33 m sur 1,90 m. Est-ce que je vais en trouver aujourd'hui? On a le classique là à 22,95 €. Donc on a plusieurs couleurs. Et après, on a celui-là qui fait 1,33 m sur 1,90 m. Les vases, on a ceux-là, ils sont à 4,99 €, il y a plusieurs couleurs. On a ceux-là, deux couleurs, là, 3,99 €. Après, on a ceux-là, 3,99 €. Tu vois, on a ça, ça c'est nouveau. C'est 1,99 €. On a ça, on a celle-ci, et moi je les trouve très jolies, ces plantes-là. Elles font belle illusion, on va dire ça comme ça. On a ceux qu'on va venir suspendre comme ça. Alors je voulais vous montrer ceux qui tombent là, je vous en avais parlé, mais là j'en vois pas en rayon. Ceux-là ils sont à suspendre avec la corde de jute là. Ils sont à 2,99 €, ils existent en noir ou en blanc. Petit chandelier, 99 centimes. On a plusieurs couleurs et plusieurs formes. On a ça, ce style-là, 1,99 €. 99 centimes. On a ceux-là. Ceux-là, ils sont beaux. Vous voyez, par exemple, ça, avec à côté, celui-là, il est trop beau. J'ai toujours bien aimé la mosaïque, là. Photophore en mosaïque, 1,28 €. On a rose, on a vert. Voilà. Bah, écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu sur la thématique de la déco. Alors, j'ai pas trouvé beaucoup de choix au niveau des, des coussins et des plaids. Bon, j'ai vraiment pris quelques articles, hein. Il n'y a pas tout le rayon déco évidemment, mais j'ai essayé de prendre une gamme assez large. Voilà, bah, écoutez, je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à plus tard.